Arrête. Pourquoi? Mais j'aime pas me regarder, je me trouve moche. C'est pas possible. Si tu savais comme t'es belle. Je suis pas venue pour entendre ça, hein. Alors, quel effet ça fait? Tu te sens pas un peu nue? Je suis nue. Non mais tu vois ce que je veux dire. Bon, raconte-moi. L'hôpital. Comment t'as atterri dans un hôpital? Quand j'avais 15 ans, mon père m'a surpris en train de fumer. Il a flippé et m'a envoyé dans un internat. Je t'ai raconté son délire sur... la discipline. Évidemment, je me suis fait virer. Là, il est devenu encore plus dingue. On a eu une engueulade monstrueuse et il m'a frappée. Le jour d'après, à l'école, un mec me chante sur ma coupe de cheveux. J'ai pété un câble et je me suis jetée sur lui. Je l'aurais tué. Si on m'avait pas retenu, je l'aurais tué. C'est là que mon père m'a mis à l'hôpital. Et il m'a laissé y pourrir 2 ans. Je dois vraiment le détester. En tout cas, moi, je détesterais mon père après un coup comme ça. Qu'est-ce que je raconte? Je déteste déjà mon père. Pourquoi? C'est un con. Il craque sur ma copine Angela. Ça me dégoûte. Tu préférerais qu'il craque pour toi? Burk, non, mais j'aimerais bien compter autant qu'elle compte à ses yeux. Je sais que tu crois que mon père est inoffensif, mais il me détruit. Psychologiquement, il me détruit. Il m'abîme. Et j'ai besoin d'un père qui soit un modèle, pas d'un obsédé sexuel qui bande à chaque fois que je ramène une copine à la maison. Quel taré. Faudrait que quelqu'un le mette hors circuit. Tu veux que je le tue? Tu le ferais? Ça va te coûter du pognon. Je fais du babysitting depuis que j'ai 11 ans. J'ai économisé 3 000 $. Bon, je l'ai gardé pour refaire mes seins, mais... Tu sais, c'est pas très gentil d'engager quelqu'un pour tuer son père. Bah, je suis pas une gentille fille, alors... T'as compris que je déconne? Quelle chance on a de se connaître.